C'est juste le principe de ce que faisait autrefois. Alors, ma grand-mère, elle faisait ça au dessert. Elle épluchait sa pêche sur la paume de son, sur son pouce, dans un verre, un peu de rosé et du sucre. Là, on fait quelque chose qu'on va élaborer un peu plus pour la présentation. Donc, on va retrouver les fruits. On a pris pêche, on a pris kiwi aussi, qui n'est pas vraiment un fruit de région. Quoique maintenant, il y en a beaucoup dans la région. Hein. Maintenant, l'histoire se refait. Hein. Mais c'est un fruit qui est acidulé et qui va bien se marier avec le côté doux du sirop d'Aubance. Donc, on fait un sirop avec du vin d'Aubance. Pour une bouteille, 75 centilitres, 100 grammes de sucre, puisque c'est un vin qui est déjà doux. Et on va porter à ébullition. Et la pêche, on l'a débarrassée de sa peau. On la refroidit bien, qu'elle soit bien glacée, qu'elle soit jolie. Donc, et après, il n'y a plus qu'à dresser harmonieusement en mettant un peu de fruits rouges. Sur le domaine de Conquessac, nous avons deux cuvées phares, qui est l'Anjou Village Brissac, cuvée Isabelle, et le Coteau de l'Aubance, cuvée Auguste, en honneur de mon cher père, qui est décédé il y a 2 ans, mais je lui avais dédié cette cuvée il y a une vingtaine d'années. Donc la cuvée Auguste est un Coteau de l'Aubance, avec des tris bien sûr, qui est vendangé au moins minimum 4 fois, 4 passages successifs dans les vignes, et qui titre minimum entre 18 et 24 degrés suivant les années. Mais vous voyez la couleur de ce vin qui est un millésime 2010. Vous voyez un petit peu la couleur d'un vin très mûr, d'un vin, on dirait un vin de quelques années. Les vins jaunes, maintenant, se boivent très facilement. Parce que nous les vinifions beaucoup plus facilement, nous mettons moins de soufre avec les filtres tangentiels et tout, la modernisation, on arrive à faire des vins très agréables jaunes. Moi, je le conseille plus en apéritif ou en dessert, avec ce dessert, bien sûr, fait à base de Coteau de l'Aubance. Alors, ça s'accorde bien, puisque le Coteau de l'Aubance est un vin très fruité. Donc, c'est que du fruit. Donc, le fruit avec le fruit passe très bien.